Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2 et merci d'être toujours aussi fidèle à ce magazine. Aujourd'hui, vous le savez, nous avons rendez-vous avec le docteur Brou et Miss Conan. Nous parlerons aujourd'hui de ce qu'on doit faire envers nos parents. Honorer son père et sa mère, c'est même le 5e commandement de la Bible. Et cet honneur dû à nos parents, est même précisé également dans tous les livres saints. On en parlera dans quelques instants, mais bien avant, nous avons un invité, pas vraiment de la DCM, vu qu'il est de la maison. Guy de Fer est là pour nous parler de Bonjour 2014. Bonjour, Guy. Bonjour, Eva. Oui. Alors, Bonjour 2014 se déplace. Oui, après les étapes, je dirais, d'Abidjan et de San Pedro, oui. Nous avons rendez-vous à Boaké et à Yamoussoukro. Oui, oui. Il faut dire que maintenant, nous allons à la finale. Eh bien, la direction de la RTI avait décidé comme cela que la télévision est désormais à l'encontre un peu du public. Quoi. Et donc, l'étape de Saint-Péro a été un grand succès. Et maintenant, demain, vendredi, à partir de 19h, à l'ancien stade de Boaké, ce sera Bonjour 2014, avec tous les articles qu'ils ont connus jusque-là, depuis Palais des Sports jusqu'à Saint-Péro. Et nous avons ajouté, parce que chaque fois, il faut que la prestation doit être différente de celle qui est passée. Voilà. Et donc, pour la prestation de Saint-Péro, non, de Boaké plutôt, nous avons fait appel à Abbas. Abbas plus les marabouts d'Afrique. Marabouts d'Afrique, parce que chaque fois que Bonjour passe, il faudrait qu'il y ait un groupe artistique global. Mm-hmm. Au palais de la culture, au palais des sports, c'était le ballet national. Mm-hmm. Au niveau de Saint-Péro, c'était Safarel Obiang. Mm-hmm. Et cette fois-ci, ça sera les marabouts d'Afrique qui vont ouvrir le bal avec un appui Abbas. Tous les autres artistes sont présents, que ce soit un peu magnifique. En fait, tout le monde est présent. Voilà les ingénieurs qui sont là. Voilà le président de la République qui est derrière moi ici, le président Bédier qui est là. Il y a le président Alassane Ouattara qui est déjà en route, il est en partance, il a pris son hélicoptère, il est déjà parti. Et cette fois-ci, ce sera pour demain, à partir de 19h, à l'ancien stade de Boaké. Le ticket d'entrée, c'est 3000 francs pour les VIP et 2000 francs pour entre nous, là, entre nous. Voilà. D'accord. Ceux qui ne veulent pas transpirer, payent 3000. Mmh. Celui qui veut transpirer, paye 2000. Mais ils ont tous le même spectacle. Une équipe de la RTI s'est déjà déplacée depuis hier pour installer un peu tout ce qui est technique. Et puis nous tenons à dire qu'il y a un acteur de Boaké que nous allons faire appel, monsieur le prophète Zélé. Prophète Zélé, s'il m'écoute, qu'il prenne rapidement contact avec l'équipe technique de la RTI qui est déjà stationnée à Boaké. Et le samedi, à partir de 19h, nous mettons cap sur Yamoussoukro, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et donc là, on ne peut pas faire 3000 francs. Mm-hmm. Là-bas, on fait 5000. 5000 francs, c'est vrai, c'est petit. Et avec 5000 francs, on fait rentrer un autre humoriste qu'on appelle, comment ça s'appelle, l'apôtre du riz. L'apôtre du riz viendra, et puis Safarel Obiang aussi viendra. D'accord. Donc chaque fois, nous changeons un peu le jeu pour que le spectacle soit différent des autres. Quoi. Parce que des gens qui regardent Bonjour 2014, aujourd'hui la télévision fête ses 50 ans, je pense que tout ce que nous faisons doit être marqué par le saut de l'éclat. Et voilà. Très bien. Alors on va donner la parole au président. Oui. Bonjour président. C'est l'ancien. Vous êtes le président Rikona Bédié. Président. Mm-hmm. Tout à l'heure, je vais recevoir les vœux de mon parti, mais je me suis déplacé avec mon chef d'état-major et le porte-parole de l'armée. Nous venons à Boaké, à Yamoussoukro, avec Alassane Ouattara. Ouattara Ouad, moi, Osumindeilo. Ça sera une fête extraordinaire. C'est un grand meeting de riz. Je vous invite tous à partager ce moment de bonheur avec nous. Mon chef d'état-major, Bobo Nyaouye. Bien, oui, on lance encore un appel. Hein, parce que la dernière fois, on l'a dit, ne venez pas avec des mouchoirs, venez avec des couches. Parce que les anciens seront là, les chefs d'État seront là. Et il y a le porte-parole, c'est-à-dire l'élément le plus convoité de toute notre armée même qui sera là. Il est à côté de moi, il a un message à lancer à l'endroit de la population de Boaké et de Yamoussoukro. C'est le porte-parole des armées des anciens. Petit oui. Repos. Obéi Gaï. Ton message. Petit oui. Petit Obéi Gaï. Ouais, dis qu'on sera. Petit Obéi Gaï. Obéi Gaï. Comme ça, il y a bien beau. Comme ça, il y a quelque chose qui va te faire. Oui, il y a bien beau qui. Comme ça, il y a bien. Il y a bien beau. Très bien. Là, il faut que je traduise. Oui. Vous allez prendre le micro. Oui. Alors là, le porte-parole, vous avez compris le message. C'est un
un porte-parole hors pair. Il dit que Boaké, nous allons véritablement mettre du feu. Le feu du rire, hein, ce n'est pas le feu des balles, le feu du rire. Donc, il appelle tout le monde à être présent ce jour-là. Parce que là, ça va partir. Très bien. Alors, pour terminer. Bon, pour terminer, c'est pour dire que l'affaire sera belle. Nous sommes à la finale. Boaké, c'est pour demain, à partir de 19h à la Saint-Stade. Et nous remercions beaucoup le président du conseil général de Boaké qui a accepté de parrainer M. Jean Kwasia Bonnoy, qui a parrainé et qui a décidé de prendre un peu beaucoup de choses en compte pour nous alléger la tâche. Au niveau de Yamoussoukro, eh bien, ça sera à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le ticket d'entrée, c'est 5000 francs et c'est à partir de 19h avec des artistes, petits de talent qui ont répété. Nous avons répété, nous avons cadré encore le spectacle, dont le spectacle de Yamoussoukro sera très différent de Boaké. Venez nombreux, vous allez voir ce spectacle-là. C'est du super, quoi, voilà. Sans oublier Mam Koul, elle sera avec nous encore. Madame Koulibaly, elle sera avec nous pour la présentation. Et puis, j'étais invité, Eva, vraiment, personnellement, ou alors au nom de la direction, on voulait vraiment t'inviter au spectacle de Yamoussoukro. Oui, c'était bien. On voit Madame là, on voit Eva là pour un spectacle comme ça. Je serai là dans ces conditions. Oui. Je ne peux qu'être là. Voilà, il y a Baba, beaucoup de plaisir. La deuxième, plus tous ceux qui sont déjà depuis à Boaké, Yamoussoukro. Donc, je demande au professeur Zélé de prendre contact avec l'équipe technique de la RTI afin que tout se passe très bien pour sa programmation. Très bien. Merci. Tout est dit. Oui. On rappelle les tarifs Boaké, 2000 francs et 3000 francs. 3000 francs. Et puis Yamoussoukro, tarif unique. 5 000 francs. Très bien. Voilà, c'est-à-dire que des gens qui les caïmans ont raté, venez vous amuser. C'est important. Merci beaucoup, Guidefer. Merci. Très bonne journée. Merci. Alors, je vous l'ai dit, le docteur Brou est présent. Vous l'avez déjà vu. Miss Conan également, bonjour. Bonjour, Miss Amani. Merci d'être bonjour, là. Bonjour, docteur. Merci à toi aussi. Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème très important. On parlera donc de l'honneur qu'on doit rendre à nos différents parents. Donc, honorer son père et sa mère. C'est bien beau à dire, ça a l'air facile, mais ce n'est pas toujours aussi aisé dans les faits. Oui, je pense que le moment était venu d'aborder ce sujet, parce que les émissions passées, nous avions eu l'occasion de parler d'héritage. On a interpellé les parents sur leurs responsabilités, à faire en sorte qu'après eux, la gestion de l'héritage se fasse dans de bonnes conditions. Parce que nous avions parlé également, il y a quelques semaines, quelques jours, de droit de naissance. Beaucoup de ceux qui nous suivent ont appelé pour dire que c'était de la responsabilité des parents de faire en sorte que les enfants respectent leurs aînés, etc., etc., et beaucoup d'autres choses. Nous avons pensé qu'il était nécessaire aujourd'hui de parler de la nécessité pour nous d'honorer les parents. Je pense qu'à l'entame de l'émission, vous l'avez bien dit, dans tous les livres saints, que ce soit le Coran ou que ce soit la Bible, il est mentionné clairement, blanc sur noir, la nécessité d'honorer les parents. Et la Bible même va plus loin pour dire « Celui qui veut vivre plus longtemps doit honorer son père et sa mère. » J'ajouterai sans condition parce que souvent quand on discute de ça, il y a des gens qui disent « Non, mon papa, mon maman est compliqué, c'est vrai. Mm-hmm. » Mais dans les Saintes Écritures, nulle part n'est marqué des conditionnalités pour dire « Il faut honorer ton père ou ta mère s'il est ceci ou s'il est, elle est ceci. » Donc je pense que c'est un sujet assez important. On peut dire que nous sommes venus sur cette. Nous ne sommes pas descendus du ciel, nous sommes venus par le biais d'un couple, donc d'un père et d'une mère qui, eux, nous ont souhaité ou pas. La question n'est pas là, mais nous sommes venus par leur intermédiaire. C'est eux qui ont pris ces décisions-là, donc de nous amener sur cette terre. Nous leur devons donc un certain nombre de choses. Cela se résume en obéissance, en présence, en respect de ce qu'ils nous disent. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, il n'est pas forcément aisé en certaines situations au vu des décisions que nous voulons prendre certaines fois pour nos vies. Il n'est pas aisé de suivre, de pouvoir honorer ses parents. Mais la question ne se pose pas, selon moi. Selon moi, en toutes conditions, surtout quand c'est le plus difficile, quand on a l'impression qu'on ne peut pas parce qu'ils sont difficiles, parce qu'ils ne nous laissent pas prendre des décisions pour nous, parce qu'ils semblent savoir tout ce qui est bon pour nous, parce qu'ils ne prennent pas en compte ce que nous voulons pour notre vie, c'est surtout dans ces conditions-là. C'est surtout quand c'est dur qu'il est important d'honorer son père et sa mère. Alors, on va passer tout de suite au premier thème après cette introduction. Donc, réalité des relations parents-enfants aujourd'hui. Et je rappelle que vous pouvez participer à cette émission. Le numéro de téléphone est inscrit donc sur votre écran. La réalité aujourd'hui, si on devait faire un état des lieux. Alors, on a déjà un appel. Madame Tal. Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour, docteur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame Tal.
En fait, ça m'intéresse bien. Oui. Depuis plusieurs semaines, j'essaye de parler un peu, mais ça passe pas. Le problème, c'est quoi? Effectivement, aujourd'hui, pour que quelqu'un lève son héritage à un enfant, il faut que l'enfant mérite l'héritage en question. Voilà, souvent, en Afrique, ici, on dit non, il a légué à d'autres personnes. Oui, quand tu ne respectes pas les parents, il ne faut pas t'attendre à ce que tes futurs enfants te respectent. Donc, c'est un thème vraiment que la jeunesse doit prendre en compte, véritablement prendre en compte. Et puis, il faut qu'on sache que quand on respecte les parents, que les parents soient sorciers, méchants ou quoi, il faut qu'on cherche notre bénédiction. Parce que notre souhait sur cette terre, c'est qu'on puisse enterrer nos parents. Pas très tôt, mais il faut qu'on puisse les enterrer dignement. Et là, si on commence à faire certaines choses qui couvraient la malédiction, là, on va partir avant eux. C'est pour dire un peu aux jeunes filles aujourd'hui, quand je vois un peu, souvent tu vois les parents qui font la lessive eux-mêmes, les jeunes filles sont là, elles se pommadent et puis les hommes. Mais elles n'ont pu rien faire pour toi quand tu n'as pas la bénédiction de tes propres parents, n'est-ce pas? Tout à fait. Ou bien il ne faut pas aller dire oui, bon, j'ai raté pour maman, elle n'a pas une longue vie, mais quand je vais me marier, je vais rattraper ça sur, comme on appelle les parents de mon mari. C'est un faux problème. Si tes parents ne t'ont pas béni, il ne faut pas t'attendre à quelque chose de la part de tes beaux-parents. Tu ne pourras pas. Donc, voilà. Quand on dit souvent, les jeunes filles, 8 et puis je l'ai mariée, elle a changé. Elle n'a pas changé. Hein? C'est comme ça, elle était. Mais les 8 qu'elle est passée chez toi, là, elle se comportait bien. Donc, quand tu l'épouses, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui ne respectait pas. Voilà. J'ai vécu la même chose dans ma famille, mais je préfère, comme ça en direct, ne pas vraiment en parler, quoi. D'accord. C'est difficile. Merci beaucoup, Madame Tal. Mais je vous en prie. Au revoir. Merci. Très bonne journée. À vous. Je crois qu'elle a très bien synthétisé cette émission sur le thème du respect ou d'honorer les parents. La réalité aujourd'hui, c'est que les relations sont constamment conflictuelles. Ça, ne faut pas se cacher. Moi-même, dans le cadre de l'exercice de mon travail, il y a eu à rencontrer pas mal de parents complètement désabusés, complètement, j'allais dire, se sentant humiliés et blessés du comportement de manque de respect, d'absence d'honneur que les enfants leur doivent. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un milieu où peut-être on traitera certainement les semaines à venir le malheur d'avoir des cheveux blancs. Parce que quand vous avez des cheveux blancs d'un certain âge, immédiatement, vous êtes identifié comme source de malheur. Alors que vous avez mis un enfant au monde, vous êtes privé de beaucoup de choses et que vous êtes occupé de cet enfant. Comment vous attendez que cet enfant vous honore? Pas forcément pour vous donner l'argent, mais qu'il vous montre le respect, vous honore, vient vous traiter de tous les noms dont vient de parler Mme Tal. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus traumatisant ou de plus blessant pour un parent. Donc, la réalité aujourd'hui, les relations sont constamment froides. Les relations sont constamment tendues entre les enfants et leurs parents, pour plusieurs raisons, certainement, on verra. Mais la réalité aujourd'hui montre des familles de plus en plus en difficulté dans les relations entre les parents et leurs enfants. Nous avons Chantal qui nous appelle de Williamsville. Allô? On pourra aussi parler de manque de communication à un certain niveau, parce que on peut dire que, les temps ne sont pas les mêmes. Et les enfants maintenant, les jeunes et tout ça, nous sommes confrontés à un certain nombre d'informations qui viennent de l'extérieur. Et même des informations qui sont très souvent produites entre nous, donc par l'échange à l'école, à l'université, au travail. On est influencé par toutes ces informations-là. Et on se retrouve très souvent à penser que c'est ringard de se comporter d'une certaine manière ou d'une autre. On ne se rend pas compte que dire, pareil, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce commandement-là, il est fixe, il est rigide. On a bien envie de le transformer par tout ce qu'on apprend dehors, parce qu'on voit la télévision. Et aussi, il se trouve très souvent qu'on a envie de rendre moins sacré le statut de parent. Voilà. On se dit, vous voyez, mon papa, ma maman, moi, je ris beaucoup avec elle, je peux lui dire un certain nombre de choses. Et on oublie les limites. Et on se retrouve, voilà, à franchir ces limites-là et donc à déshonorer les parents. Et c'est vrai que dans ce genre de cas-là, quand le papa veut ou la mère veut ramener à la raison, on a l'impression qu'il veut se jouer les rigides. Alors qu'on a toujours été très cool à la maison, on a toujours dit ce qu'on... Voilà, on a toujours des relations très simples à partager avec les parents, très fluides, voilà. Edwige nous appelle de Yopougon. Allô? Allô? Oui, bonjour Edwige. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute.
Bon, moi, c'est peut-être par rapport au thème de votre émission. Oui. J'aime bien le thème. Parce que c'est que moi, je constate aujourd'hui. Je constate que beaucoup d'enfants ne respectent pas les parents. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées. Mm-hmm. Donc, j'apprécie vraiment le thème de l'émission. Et puis, j'aimerais profiter pour vous dire que depuis son enfant, quand vous passez à la télé, vous me plaisez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edwige. Merci, Edwige. Très bonne journée à vous. Alors, docteur, je pense qu'on va passer à la seconde partie de l'émission, à la source des conflits. Oui, le constat est clair. Le constat est clair. Les familles sont de plus en plus en difficulté, des relations conflictuelles entre parents et enfants. On va passer donc, grâce à Anicette Aoumouan, qui est au contrôle de cette émission aujourd'hui, voilà la seconde partie, source de conflits. Alors, les sources sont nombreuses. La première source, je crois que c'est un problème de génération. Nous sommes dans une société en évolution, et comme l'a dit Mademoiselle Conan tout à l'heure, avec tout ce qui nous vient de l'extérieur, par l'Internet, par les médias, on a envie de bousculer un peu l'ordre naturel qui faisait jadis la richesse de l'Afrique. Donc, il y a la confrontation, j'allais dire peut-être l'affrontement des générations, où on vous apprend qu'en Europe, peut-être à 18 ans, on se croit adulte, mais on oublie ici qu'à 18 ans, on est encore chez les parents. Mm-hmm. Parce qu'en Europe, si le gars il a quitté chez ses parents, il ne peut pas avoir la même attitude. Donc, il y a ça, il y a les conflits de générations. Mais il y a également la responsabilité des parents eux-mêmes. Vous savez, il y a... Je ne sais pas s'il y a un appel. Oui, Monsieur Delarusse, qui nous appelle de Treichville. Allô? Monsieur Delarusse, bonjour. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui. Ben, en fait, j'ai suivi l'émission. Oui. Le thème de ce après-midi m'a accroché. Oui. Tout à l'heure, il y a votre bien de vous inviter, le monsieur en particulier, oui, à faire allusion un peu à la Bible quand même. Oui. Je voudrais dire que, aussi un peu plus loin dans la Bible, on dit ouais, que les parents ne doivent pas imiter les enfants aussi. C'est ça. Voilà. Les parents vos parents. D'accord. Mais les parents n'invitent pas les enfants. D'accord. Voilà. Donc, c'est assez délicat. Il y a la responsabilité de chacun qui est engagé dans le respect des uns des autres. C'est tout à fait d'accord qu'on respecte les parents pour les honneurs parce qu'ils sont un peu comme les autres sur la terre. On a reçu le problème qu'il y a. Je pense que la connexion n'était pas très bonne. Docteur. Oui, je pense que c'est ce qu'il dit. Donc, il y a la responsabilité des parents eux-mêmes. Tout à l'heure, Mme Tam l'a appelé, elle a dit quelque chose. Souvent, on est surpris quand on n'a pas respecté nos parents. Vous avez des enfants qui vous voient constamment en conflit ouvert avec vos propres parents, c'est-à-dire ses grands-parents. Donc, vous ne donnez pas de modèle ou d'exemple de respect. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris qu'aujourd'hui, les enfants ne les respectent pas parce qu'eux-mêmes n'ont pas été exemplaires en la matière. Ils ont eu-mêmes, au moment où ils étaient jeunes, ils se sont élevés de façon violente et j'allais dire inacceptable vis-à-vis de leurs parents. Et aujourd'hui, ils ne font que récolter ce qu'ils ont sémé. Donc, il y a la responsabilité des parents. Il faut que les parents eux-mêmes soient des exemples de respect des générations antérieures. Sinon, c'est difficile. Vous savez, oui. Docteur, je voudrais poser une question. Il y a également peut-être une histoire d'âge. On a parlé ici d'adolescence et surtout de crise d'adolescence, ce moment-là où les enfants se rebellent un peu contre les parents, contre toutes les autorités d'ailleurs. Il y a cette crise d'adolescence qui peut également expliquer certains conflits entre parents et enfants. Oui, mais en général, ça ne va pas plus loin que ça. La crise d'adolescence, c'est un passage et ça se gère parce que dans nos traditions et coutumes, les gens ont eu les âges d'adolescence, ça s'est réglé. Donc, je pense que souvent, ce n'est pas les petits refus, je vais sortir, mais parfois, vous avez vu des enfants qui vont jusqu'à porter main à leurs parents. Donc, c'est les extrêmes, c'est de ça, c'est ce que nous dénonçons. Ou qui vont traiter leurs parents d'être sorciers. Donc, on ne va pas chez eux. S'ils sont malades, même qu'on a les moyens, il y en appelle. Monsieur Sawadogo nous appelle, oui. Monsieur Sawadogo nous appelle du Sénégal. Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Sawadogo. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Ok, bon, sinon, bon, je suis l'émission tous les jours. Oui. Bon, franchement, le thème que vous avez, c'est intéressant. Merci. Donc, mais je me le souligne aussi, il faut que les parents, bon, essaient de communiquer avec les enfants, quoi. Mm-hmm. Voilà, donc, en Afrique, ici, on a tendance, bon, quand tu deviens un peu adulte comme ça,
Donc, bon, les parents ne s'ouvrent pas à vous. Donc, vous êtes coincé dans votre point seulement. Donc, j'aimerais souligner que les parents aussi essaient de communiquer avec les enfants à leur âge adulte. Voilà, je pense que ça pourrait aider, quoi. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Radoubou. Ok, merci à vous. Une autre source, peut-être avant que M. Colon ne prenne la parole, que je voulais quand même relever, c'est, on a dit cela la dernière fois, c'est la manière désordonnée de gérer les relations entre les parents eux-mêmes. Parce qu'il est évident que quand la maman ou le papa s'appuie sur les enfants pour des intérêts personnels, pour que la maman soit déshonorée ou le père soit déshonoré pour des raisons diverses, il est évident qu'à terme, ça nous rattrape nous deux. Si je comprends bien, alors, dans une situation, il peut y avoir un conflit entre les deux parents. Les enfants sont instrumentalisés contre l'un des parents. Absolument. Mmh. Et au moment où l'enfant réagit pour prendre une position ferme et d'agressivité, parfois par des propos orduriers, il faut le dire, vis-à-vis d'une des parties, l'autre partie... Encouragée par l'autre. C'est ce qui est dommage. On dit oui, on s'associe pour dire, bon, ta maman, elle est comme ça, elle est sorcière, elle se comporte mal, etc., etc. Ça, en ce moment précis, ça nous arrange. Mais nous serons surpris au bout de quelques temps, que la même situation risque de se retourner contre nous. Donc même quand nous sommes dans une situation où il y a des mésententes entre le père et la mère, peut-être même qu'ils ne vivent plus ensemble, il faut créer les conditions pour demander à ces enfants-là, oui, il s'agit de votre mère, il s'agit de votre père, même s'il est parti qui vous a abandonné. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le font, il faut le respecter. Il faut le respecter. En tout cas, j'ai entendu pas mal de moments prêcher dans ce sens et je pense que c'est une très bonne chose. Mais ne profitez pas d'une situation de crise pour instrumentaliser les enfants, pour déshonorer notre parti, parce qu'en tout état de cause, je l'ai dit au début, et je pense qu'on le dira certainement tout au long de l'émission, que honorer le père et la mère, normalement, c'est sans condition. Mmh. Ce n'est pas assorti de conditions pour dire, si ton père n'est pas alcoolique, s'il n'est pas violent, là, il faut l'honorer. Honore ton père et ta mère. Je ne connais pas très bien les passages du courant, mais je sais que c'est écrit d'honorer les parents. Et j'ai vu dans des quartiers des jeunes musulmans, honorer leurs parents, c'est extraordinaire. Je travaille dans un quartier où c'était un quartier à dominance musulmane, mais je vous assure que les jeunes gens, quand les mamans sont malades, ils pouvaient abandonner leur travail, ils sont à leur côté. Ils sont à leur côté. C'est quelque chose qui m'a particulièrement touché. On dit non, chez nous, dans l'islam, là, affaire des parents, là, on ne s'amuse pas. Mais c'est valable dans, je pense, toutes les religions. Très bien. Avant de passer la parole à Miss Conan, on a un appel de M. Ouattara qui nous appelle d'Odiéné. Allô? Allô? Bonjour, M. Ouattara. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. On parle aujourd'hui d'honorer ses parents. On vous écoute. Ok. Le thème de l'émission, vraiment, concerne aussi les parents, d'une part. Parce qu'il y a des parents aussi, ils n'approchent pas les enfants pour leur communiquer aussi le bien-être de la famille. Et cela fait que les enfants ne savent pas comment faire en face des parents. Et ça aussi, il faut le dire, pour la communication entre parents et enfants, pour mieux apprendre à l'enfant aussi, de savoir qu'il doit avoir il doit honorer ses parents, parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas. D'accord. Et en plus de cela, je voulais vous demander aussi, si possible, le numéro de M. Bamba, celui qui s'occupe de bien-être. Très bien. Quelquefois, il est sur l'écran, mais on ne voit jamais afficher son adresse. Je voulais ça aussi. Merci, madame. D'accord. Merci, M. Ouattara. Alors, M. Maître Bamba sera des nôtres dès demain, et puis son numéro de téléphone sera donné à cette occasion-là. Docteur, je vais rebondir sur ce que vient de dire M. Ouattara. Est-ce que ce n'est finalement pas un problème d'éducation? Oui, l'éducation, ça, c'est incontestable. Tout rejoint l'éducation. Donc, honorer, effectivement, pas de l'éducation, mais il s'agit pour nous... Vous savez, moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans des conflits entre des parents et des enfants. Je passe sur un principe. Que les conditions des discussions, la base, c'est qu'un enfant doit honorer son père, respecter son père et sa mère sans condition, et que le père et la mère s'occupent de leurs enfants sans condition. C'est leur devoir. Dès lors qu'on est d'accord sur ça, le reste, c'est des formalités. J'ai mon enfant qui est venu, pas par sa volonté, parce que j'ai voulu. Je m'occupe de lui, c'est mon devoir de père. Mais il faut que lui aussi comprenne que c'est son devoir et une obligation aussi bien morale, spirituelle, sociale et tout ce que vous pouvez imaginer, que d'honorer son père et sa mère. Mais cela doit se faire, j'allais dire, sans condition. Parce que si on veut être dans les conditions, je vous assure que ça va être très compliqué, ça va être très difficile. Très bien.